Et bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie, ravie, ravie de vous accueillir aujourd'hui, ce soir. Et j'avais envie de faire l'accueil en musique. Je trouvais ça sympa. Euh, puisque celles et ceux qui me suivent, alors c'est vrai que c'est un peu plus interactif sur Instagram, mais savent que j'aime beaucoup la disco. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais faire une, une petite intro sans, sans parler, mais en mettant juste de la musique. Et puis, euh, c'est bon pour les énergies, c'est bon pour le moral, c'est bon pour euh, des tas de choses. Donc, euh, bienvenue, bienvenue à toutes et à tous. Tout fonctionne nickel, malgré Mercure Rétrograde, mais on va en parler. <laughs> je laisse juste tout le monde. Euh... J'ai juste tout le monde arrivé. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir et ça m'a donné l'impression que ça faisait une éternité parce qu'en fait c'était début juillet le dernier live donc ça fait presque deux mois. Ça doit faire sept semaines quelque chose comme ça. Donc je laisse tout le monde arriver et puis euh, je vais vous dire un petit peu le programme ce soir avec vous. Voilà. Est-ce que tout le monde m'entend bien Donc, visiblement, sur YouTube, il n'y a pas de problème puisque j'avais mis de la musique. Et euh, sur Insta, euh, si vous pouvez me dire que tout est OK. Je vois qu'il y a des nouveaux, euh, des nouveaux noms que j'ai vus apparaître. Donc, je suis contente, c'est des nouveaux qui nous ont rejoints. <laughs> OK, super. Nickel. Bon, vous avez vu que je ne suis pas au même endroit que d'habitude. Parce que Mercure rétrograde. On va en parler de Mercure. OK. Bon, tout est OK pour tout le monde. Euh... Donc, ce que je vous propose, c'est de démarrer. Les personnes vont continuer d'arriver, mais je vais simplement démarrer. Et je vais démarrer tout de suite avec Mercure Rétrograde. Comment ça se passe pour vous, Mercure Rétrograde Parce que moi, j'en ai des bonnes à vous raconter. <laughs> ça donne quoi pour vous C'est galère ou pas galère Parce que moi, c'est pas mal. Hein. Depuis samedi, voilà, des choses n'arrivent pas. Donc euh, moi, ça a commencé euh, dimanche. TGV, 20 minutes de retard. Bon, jusque là, ça va à peu près. <laughs> et puis, euh, et puis hier, un petit peu des tensions. Et puis j'ai oublié mes lunettes. Et puis ce matin, je me suis carrément retrouvée coincée euh, avec deux heures de retard pour le TGV retour. Et je suis rentrée, je suis arrivée. Et là, j'ai découvert que j'avais euh, quasiment plus d'Internet. Enfin, c'était hyper instable. Et donc, du coup, j'ai fait un plan B parce que sinon, je reportais le, le live. Donc, je me suis installée là où je donne des consultations. Encore pour quelques semaines, hein, puisque je vais quitter les lieux. Et donc, voilà. Mercure rétrograde, c'est typiquement ça. C'est des blocages. C'est des courriers importants qui n'arrivent pas. Donc, on en mange jusqu'au 15 septembre. Donc, ça veut dire... Euh, qu'il nous faut euh, bah, trouver des plans B, faire preuve de souplesse. Euh, être, euh, quand je dis faire preuve de souplesse, c'est comprendre qu'il y a peut-être des courriers qui vont prendre du retard, il y a des colis qui peuvent se perdre. C'est typiquement du, euh, du mercure rétrograde, donc on en a encore pour une quinzaine de jours, les amis. Donc euh, voilà. Euh... Et donc faut faire avec. Donc euh, cet après-midi, quand je suis arrivée, avec euh, en plus je suis arrivée tard du coup, je suis arrivée, il y avait le problème d'internet, donc appelé pour savoir ce qui se passait, etc. Je me suis dit on est dans la continuité, mais c'est pas grave, on est tous ensemble ce soir. Euh, J'ai trouvé un plan B qui euh, là pour le coup normalement euh, fonctionne très très bien au niveau du réseau malgré euh, l'énorme mistral qu'on a ici. Et donc on va pouvoir passer un moment ensemble, à peu près une heure. Et euh, j'avais fait un petit sondage de, de sujets et de questions que vous aviez ou de sujets que vous vouliez voir abordés. Donc, euh, ça, j'ai pris quelques, quelques notes. Et puis, euh, après, il y a peut-être d'autres sujets qui vont arriver. Et ce que je vous propose aussi, comme ça, je vous donne tout le, tout le programme pour ce soir, c'est à la fin de la soirée, on terminera avec l'oracle à haute vibration de... Euh, Jenna Blossom que j'aime, c'est euh, bon, j'aime beaucoup Jenna Blossom, je la suis et, euh, et j'aime beaucoup son orage. Je l'utilise pour les guidances mensuelles euh, qui sont en ligne là depuis euh, depuis hier. Et donc, ce que je vous propose de faire, mais c'est pour ça que je vous le dis maintenant, il y aura le choix entre trois cartes conseils, ce que j'appelle des cartes conseils. Donc, peut-être réfléchissez ou pensez à un sujet, une problématique pour laquelle vous auriez besoin d'un petit conseil, d'un éclairage et voir ce que l'oracle vous donne comme éclairage. Il y aura le choix entre trois cartes. Voilà. Et ça, on le fera dans les, dans les, dans les dernières minutes pour, bah, pour clôturer la soirée ensemble. Après, il n'y a pas d'obligation, en, en, évidemment. Et ça vous doit. Il n'y a pas besoin de partager vos sujets. C'est pour vous. Moi, je me fais juste celle qui porte les cartes et qui, qui la retourne pour vous. Voilà. Donc, bienvenue à toutes et bienvenue euh, à tous ce soir. Je vois qu'il y a des nouveaux noms, donc euh, bienvenue aux nouvelles personnes. Et puis, euh, celles qui viennent déjà régulièrement, bah, merci d'être encore là, de revenir. Et, et puis, bah, on va passer, euh, j'espère, un bon moment ensemble. Euh... Donc, dans les sujets que j'ai notés et que vous, vous avez pu me partager quand j'ai fait mon petit sondage, j'ai eu euh, la différence entre l'intuition et le mental, savoir qui sont nos guides, parler un peu des analakashik, où j'avais fait un live dessus, la gestion de l'hypersensibilité, je vais en parler un tout petit peu, mais c'est un vrai, vrai sujet. On va parler des synchronicités, il y avait un thème, mais en plus je vais revenir euh, dessus l'ancrage et le fonctionnement du taux vibratoire. Voilà un peu les sujets que j'ai pu récupérer. Il y a peut-être des personnes qui étaient intéressées pour poser des questions comme celle-ci. Et ce que je vous propose, c'est déjà de commencer par la différence entre l'intuition et le mental parce que c'est un sujet que j'ai régulièrement, donc du coup, je me suis dit que c'était intéressant de l'aborder. Euh... La différence entre l'intuition et le mental, alors encore une fois, ceux qui me connaissent, vous, vous le savez, euh, et puis d'autres qui me, me découvrent, je vous donne depuis ma fenêtre, et ma fenêtre n'est pas la vérité absolue, elle est telle que je le perçois pour ma part. Euh, la différence entre l'intuition et le mental... Alors déjà à mon niveau, quand c'est l'intuition, c'est un petit peu comme si ça m'arrivait euh, comme une info un peu par ici. Euh, et la grosse grosse différence que je fais entre euh, l'intuition et le mental, c'est que euh, voilà l'intuition, je lis, c'est la voix du cœur. Hein. Le mental, évidemment, c'est la voix de la tête. Mais c'est surtout ce que j'ai pu observer avec le temps, parce que j'ai réfléchi à comment j'allais vous en parler, c'est que quand on arrive avec le mental on est finalement dans des sortes de discussions internes et on va assez vite délayer, comme si on était dans un argumentaire, comme si on était dans des choses où on veut convaincre. Alors que quand c'est dans l'intuition, c'est très simple. Euh, c'est assez court même, vous voyez dans, le, dans la phrase, dans ce qui va, nous, qui, ce qui va venir à nous. Ça vient de façon simple, c'est simplifié, c'est direct. Et quand je dis direct, ça ne veut pas dire que c'est dur, mais on ne passe pas par quatre chemins. Alors que le mental, avec le mental, on a tendance à tortiller un petit peu plus et à être un peu dans des argumentaires. J'ai euh, posté cet après-midi, mais je le mettrai aussi sur, sur YouTube, sur Instagram, une petite capsule justement d'une discussion entre moi avec mes projets donc qui, sont de, qui viennent du cœur et le rabat qui est le mental. Et donc, le, le, le mental, il est, dans, il est dans une sorte d'argumentaire. Quand c'est notre intuition, c'est comme quelque chose qui se pose à nous. Vous voyez comme, imaginez une plume qui vient se poser. Voilà, tac. Et on va pas essayer de tergiverser de qu ce qui est en train de se poser. On voit que c'est une plume qui s'est posée. Et donc, dans l'intuition, c'est très simple. Dès que vous, vous vous sentez ou dès que vous observez que ça commence à se compliquer, que hop, on prend des chemins de traverse, une voie puis une autre, c'est plus l'intuition, c'est le mental. Euh, J'avais eu l'occasion d'évoquer de, de, les premières fois où j'ai eu des intuitions. Euh, c'est des messages qui m'arrivaient comme ça. J'avais eu une amie. Euh, euh, une amie dont j'allais apprendre la grossesse, vous voyez, l'information, je ne sais plus si c'était Non, c'est plutôt côté gros, droite, c'est comme si ça me descendait comme ça. Il n'y a pas à discuter, en fait, l'info, elle arrive, c'est ça. Point. C'est pas à ah bon, pourquoi, euh, etc. Euh, j'avais évoqué une autre fois où j'avais euh, eu comme information euh, un ex qui allait se marier, et euh, on, on me montrait l'écran. Voilà, je n'étais pas en train de l'inventer dans ma tête, c'est quelque chose qui arrive, qui vient se poser comme ça. Donc vraiment, si vous voulez un petit peu sonder les deux, euh, observez-le dans le fait que dès que ça commence à être un peu plus compliqué des chemins et comme des discussions, c'est plus l'intuition. Euh, pour celles et ceux qui ont pu me consulter par des lectures d'âme ou des lectures d'Analaka kashik, euh, vous voyez bien que les messages qui arrivent des guides, euh, ils arrivent de façon très simple, comme des choses qui se posent, euh, qui sont, qui peuvent être euh, étayées avec des, euh, des métaphores, mais le message il est hyper simple, il est sans jugement. C'est pareil. Dès qu'il commence à y avoir du jugement, c'est le mental qui se, qui se ramène. Tout à fait, Céline. <laughs> euh, et donc du coup, euh, c'est vraiment de cette façon-là que vous pouvez distinguer les deux. Est-ce que c'est plus clair pour vous? Entre l'intuition et le mental. Oui, alors j'ai Natlux qui me dit aussi qu'en lecture d'âme, euh, parce qu'avec toi, c'est des lectures d'âme que j'avais faites. J'ai mon intonation, mon énergie change et ma voix change un tout petit peu, le timbre change un tout petit peu. Et là, c'est parce que c'est en train de se calibrer sur autre chose et parce que je suis, euh, je suis guidée par les guides. Je, suis, enfin, je sers de canal pour les guides. Je suis désolée pour les reflets euh, des lunettes. Hein. <laughs> Donc du coup, je suis en train de pencher la tête comme je peux. Ok, d'accord. Donc, ça, c'est pour le mental. Euh... Et l'intuition. Et c'est vraiment quelque chose que vous apprenez petit à petit à percevoir. Voyez, mais vraiment, plus c'est simple, plus c'est la voix du cœur et plus c'est l'intuition. Après, donc savoir euh, comment savoir qui sont nos guides, alors là, je peux répondre euh, qu'à moitié, dans le sens où moi je les, je les ressens, je les perçois, que ce soit pour moi quand ils sont présents ou que ou quand je suis euh, en tarologie. En lecture d'âme, en lecture akashique, euh, ou même dans le pachronnet ou la numérologie, parce que c'est les différentes prestations que je propose. Euh, les guides sont là. Je leur demande jamais quels sont leurs noms. C'est une, une histoire d'énergie que je sens et, euh, et je peux même re ressentir que ce sont euh, mes guides, vos guides. Parfois, mais c'est pas trop mon canal. Euh, J'ai des défunts. Alors, je vais revenir dessus un petit peu après quand je dis que ce n'est pas trop mon canal, c'est en termes de fréquence. Euh, mais déjà, il y, y a une chose, c'est que euh, c'est de la bienveillance, c'est de l'amour, c'est de la douceur, c'est de l'humour, beaucoup d'humour. Euh, ils se prennent moins au sérieux que nous, <laughs> de l'autre côté. Et euh, donc, comment savoir qui sont nos guides Vous pouvez très bien demander si au bout d'un moment, vous êtes un peu entraîné. Vous pouvez leur demander qui ils sont. Moi, en fait, je jamais demandé. C'est vrai que je n'ai jamais demandé qui es-tu. Par contre, quand je peux avoir parfois la visite de, de, des fins de ma famille et plus particulièrement de l'un de mes grands-pères, je la ressens son énergie et c'est comme si je le voyais en, un petit peu en transparence devant moi. Voilà. Et lui, c'est un, un de mes guides. Oui, je ressens aussi la Corinne dit, Vous ressentez aussi la présence de Marie. Oui, parce que c'est des énergies, mais là, c'est des énergies particulières. Marie, c'est une énergie d'amour très fort. Euh, Yeshua, c'est une énergie très, euh... c'est une énergie de guérison. Et Yeshua, c'est une énergie justement. Lui, il est dans des messages très directs, en douceur, mais très direct. Mais quand je dis Yeshua, je sais qu'il y a une notion de guérison. Marie, elle vient apporter, elle vient apporter de l'amour, elle vient apporter. Euh... Du support. Voilà. Mais après, je peux avoir des guides où je ressens une énergie qui est autour de moi, où ce sont vos guides et qui, euh, qui sont présents euh, à ce moment-là. Mais rien ne vous empêche de vous adresser à eux et de leur demander euh, comment ils s'appellent. Et ça peut être de différentes façons. Je vais passer du coup sur les synchronicités. Euh, ça peut être à travers des synchronicités, une musique, un prénom dans la rue, quelque chose comme ça, de demander euh, pour demander qui ils sont. Alors, Mandiria, Mandiria demande si on peut avoir plusieurs guides. Oui. Et même ce que j'observe, c'est qu'en fonction de là où on en est aussi dans notre chemin d'évolution, attention, il n'y a rien d'élitiste dans mon propos. En fonction de là où on en est, de notre avancée, il bah, y a des guides qu'on avait, puis qui sont qu'on ne voit plus, ou qu'on ne ressent plus, puis il y en a d'autres qui arrivent. Où il y en a de plus en plus, ça dépend. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec d'autres médiums qui m'ont dit bah, actuellement, ce n'est plus le même guide qui m'accompagne. Donc, ça, ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi euh, normal. OK C'est des histoires de fréquences. Euh, et je reviens aussi avec l'intuition. Euh, Hier, j'en parlais avec ma mère, j'avais une discussion avec ma mère à propos de tout ce qui est énergie et vibration. Et en fait, à un moment donné, je lui ai dit, écoute, imagine, puisque nous sommes que de la fréquence, okay chacun émet une fréquence, chaque objet émet une fréquence. Okay Mes lunettes émettent une fréquence, les bracelets émettent une fréquence. Et pour vous représenter une fréquence, c'est vraiment, imaginez les anciens postes de radio pas ceux où on appuie sur le bouton qui vont chercher directement la prochaine station, mais ceux où il fallait qu'on tourne le bouton et puis parfois on tombait sur une station et après on continuait puis ça faisait un espèce de bruit comme ça parce que c'était en train de chercher la nouvelle fréquence et donc quand on résonne en fréquence on peut avoir une, fra... une certaine vibration qui est en accord avec certains guides qui est en accord avec certaines personnes mais pas avec d'autres et puis il y a des fréquences qu'on va pas forcément c'est pour ça que je pense par exemple, les défunts, c'est pas ma fréquence. En tout cas, aujourd'hui, c'est rarissime. Ou alors, c'est que dans une lecture, euh, vous avez un, un message d'un défunt qui est très très important. Ça m'est déjà arrivé deux, trois fois où vraiment le défunt était là et la personne savait très bien de qui je parlais. Moi, je la connaissais pas, je décrivais au niveau des énergies. Et donc, tout ça, c'est des questions de fréquence que l'on a. Donc dans l'intuition aussi, ça va être un réglage de la fréquence, parce que plus on est dans notre intuition, plus la fréquence elle va s'affiner, plus on va être en contact avec un ou des guides, et ça va être pareil pour, euh, pour les synchronicités du coup. Est-ce que la vibration est une énergie ou est-ce deux choses différentes Pour moi, la vibration, elle émet une énergie. Euh, si vous prenez un instrument de musique, la note de musique, c'est une vibration. Et vous vous sentez bien que quand vous touchez certains instruments de musique, vous sentez qu'il y a une vibration. Et donc, cette vibration, elle crée une énergie. Pour moi, c'est la même chose. Hein. Mais après, euh, peut peut-être avoir un point de vue différent, mais je dirais que c'est la même, la même chose. Il okay. y a Corinne qui dit « Les messages des guides sont simples et bien imagés pour faciliter la compréhension. » C'est exactement ça. Plus c'est simple, plus vous êtes proche du cœur ou plus vous êtes proche de, euh, comment dire, de, de, justement, de, des guides qui sont là. Moi, je sais que j'ai des guides qui sont présents lors des, des, des consultations en tarologie. Est-ce qu'en tarologie, ce sont les guides qui font ressortir certaines cartes bah, Après, chacun a sa pratique. Euh, en tarologie... Euh, par exemple, moi j'aime bien, et c'est ce que je fais le dimanche matin quand je vous fais la guidance de la semaine. Vous avez remarqué que je bats les cartes, je vais en chercher, puis j'en ai d'autres qui sautent tout de suite. Ça pour moi, c'est les guides qui envoient un message, qui veulent envoyer quelque chose de très euh, fort. Et le fait aussi que quand je bats les cartes, si je sens que c'est un peu euh, intérieur ou que, contraire, c'est très speed, je ressens dans les énergies à ce moment-là qu'il y a beaucoup de messages ou qui sont pressés. Ou qu'au contraire, on est peut-être dans des énergies un peu plus de retenue. C'est pour ça que j'aime bien prendre le temps de battre les cartes, même si ça prend quelques secondes de plus, parce qu'il se passe déjà des choses comme ça. Quand je fais les guidances mensuelles, et je vous rappelle que les guidances mensuelles, elles sont en ligne sur YouTube, les guidances mensuelles année personnelle, elles sont toutes en ligne depuis hier. Les, les cartes de, de l'énergie du mois avec la triade, c'est des cartes que je bats et je peux en prendre une. Et parfois, j'ai eu, eu sur une des années j'ai eu une, deux cartes qui ont sauté ensemble. Pour moi, ce sont les guides qui poussent le message. Alors, il y a SC0668, ça fait un peu OSS cette histoire. À un, à un moment de ma vie, je parlais avec mon guide et à chaque fois, j'avais des frissons. En ce moment, je n'ai plus rien, plus aucun ressenti. Bah, Peut-être que vous êtes... Alors, soit vous êtes moins en lien tous les deux. Soit SC, vous êtes moins disponible et moins disposé, parce que euh, c'est ça aussi qui se passe. Euh, on a tous des capacités de canalisation, on a tous des capacités médiumniques, ok. Et c'est ce que j'expliquais aussi à ma mère euh, hier quand on parlait des énergies. Je disais que finalement, on évolue dans un environnement où quelque part, on nous met dans une fréquence. Je reviens à ma station de radio, ok. On vous dit, en fait, il n'y a qu'une radio qui existe, c'est Europe 1. Il n'y en a qu'une qui diffuse, il n'y a pas d'autre radio. Et donc, du coup, vous allez vous brancher sur cette fréquence-là. Et comme vous, vous pensez, et vous êtes, nous sommes dans cette fréquence, et on pense que c'est la seule qui existe, on ne prête pas forcément attention aux autres fréquences. Mais il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres et qui vont déjà capter des fréquences, où on va apprendre petit à petit à capter ces fréquences-là. Simplement pour capter ces fréquences, ça veut dire qu'on on laisse un petit peu le mental de côté. Voilà. Et on va être prêt à accueillir tout ça. Mais nous avons tous des capacités. N'en doutez pas. Alors, je regarde du côté de YouTube. Oui, vous le dites souvent, les cartes veulent parler ou alors elles prennent leur temps. Eh bien oui, ça dépend. <laughs> tout à fait. OK. Alors, est-ce que c'est clair pour vous ce que j'ai pu vous partager là. Est-ce que vous avez peut-être des anecdotes d'ailleurs à raconter à ce sujet-là, au niveau des guides, la façon dont ils ont pu euh, se manifester hein. Moi, j euh, j eu, bah, Hier, je me suis retrouvée avec une plume euh, sur le tapis euh, chez ma mère, juste devant ma valise. J'ai trouvé ça si mignon. <laughs> je me suis dit qu'il faisait coucou. <laughs> OK. Alors, comment développer ses capacités J'ai l'impression d'être éteinte. Alors, ça, c'est Mandiria. Moi, je pense que ça va, ça va intéresser plusieurs personnes. Euh... Développer ses capacités, déjà, c'est d'accueillir ses capacités. Euh... Et ça, ça suppose, entre guillemets, de faire le vide. Euh, D'une part, c'est d'être prêt à accueillir ce qui se passe autour de vous. Je prends un exemple encore très concret. Euh... Vous êtes dans un parc, vous focalisez sur une seule chose, une scène devant vous. Du coup, vous ne voyez plus ce qui se passe autour de vous. Okay Or, il y a des choses autour de nous à ce moment-là. On a la capacité, simplement, on n'est pas connecté dessus. Euh, on prend en ce moment-là, bah, justement, ce matin, entre le train et le, et le métro. Aujourd'hui, ça fait hyper mal au cœur, mais tout le monde est rêvé les yeux sur le téléphone. Okay du coup, on ne prête pas attention à ce qui se passe autour de nous. On passe à côté. Et ben, quelque part, pour développer nos capacités, c'est petit à petit, c'est un petit peu comme si on apprenait de plus en plus à laisser le téléphone de côté et à prêter attention à accueillir ce qui se passe autour de nous. Il n'y a pas des signes partout tout le temps. Ça, c'est un petit peu l'exagération le, qu'il peut y avoir parfois. Mais il peut y avoir euh, des signes qui se montrent à nous, mais encore faut-il qu'on les voie. Si on a les yeux rivés sur le téléphone, comment vous voulez voir un signe qui va se passer autour de vous Typiquement, vous marchez, les yeux rivés sur le téléphone, en fait, il y a une plume au sol. Ah, vous n'allez pas la voir. Et c'est ça qui nous déconnecte pas mal. Donc, déjà. Pour développer, il y a peut-être de s'accorder des moments simplement où on se met au calme, parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir accueillir certaines choses. Et puis de prêter attention à des signes, par exemple peut-être des choses qui vont revenir régulièrement, un animal que vous croisez régulièrement, une une justement des plumes. Euh, où euh, moi je me souviens qu'à une époque j'en je, je, avais parlé, je voyais des cœurs je tombais sur des cœurs un peu partout euh, mais du coup je n'étais pas en train de chercher des cœurs partout, mais c'est sûr que si j'avais eu le nez rivé, je ne prêtais pas attention à ça et c'est comme ça que vous allez commencer à développer vos capacités, simplement pourquoi Parce que vous allez laisser un petit peu le mental de côté et vous allez être plus à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous et de toutes ces petites subtilités qu'il peut y avoir parfois je racontais, euh, je racontais cette anecdote-là il euh, y a une semaine. Bah C'est un exemple pour donner un exemple, euh, Mandiria. Il y a une semaine, je préparais mes sacs. Donc, euh, valise, j'emmène les poubelles euh, puisque je partais, etc. Donc, j'emmène je, tout ça. Et à un moment donné, quand je finis mes sacs, je mets mes affaires devant l'entrée. Et là, je me rends compte que le pendentif que je portais, il était tombé. Et je comprends qu'il est tombé ou dans un de mes sacs, voire dans les poubelles que je viens de jeter dans les ordures. Donc, qu'est-ce que je fais J'attends ou est-ce que je commence à ouvrir mes valises, etc. Donc c'est ce que je décide de faire. Et pendant que j'ouvrais mon sac et que je retournais, enfin je, je soulevais mes affaires, etc. Je ne voulais pas tout déranger, eh bien j'ai entendu un bruit dans un, dans un des sacs qui était à côté. J'ai entendu une sorte de clic-clic. Et, et je l'ai perçu. J'ai dit ça, c'est un signe pour me dire d'aller voir là-bas parce qu'il est certainement dans ce sac-là. Mais ben, ça n'a pas manqué. Et ça, ça veut dire que d'une part j'avais demandé de l'aide. Je venais te demander de demander là. J'avais dit aidez-moi à trouver, euh, à retrouver mon pendentif euh, facilement. Voilà. Dans les secondes qui a suivi, il y a eu ça. Mais ça suppose que je pose cette intention-là et en même temps, je suis dans l'accueil de ce qui va se passer. Voilà. Et ça m'a fait sourire. C'est dans, dans la suite de l'histoire des, des plumes que je voulais et que mon chat m'a ramené un, un gros un gros pigeon qui m'a déplumé dans, le, dans ma chambre. Ok, alors. Ok. Donc, il y a Alicia qui dit J'ai vu ma guide une fois en semi-conscience. Elle était vêtue de vêtements du XVIIe siècle. Elle m'a parlé. Je n'ai pas compris. Je n'ai compris que le début de son message, le reste était inaudible. Eh bien, Alicia, ça peut très bien de, demand de demander à ce qu'elle revienne. Voilà. Et de prendre le temps de dire peut-être des choses moins longues ou, euh, ou plus, plus audibles. On peut, en fait, on peut tout leur demander du moment que ça nous, ça nous accompagne. Alors, il y a Corinne qui dit quelque chose de très important, en effet, j'ai oublié de vous le préciser, c'est aussi de revenir encore au aux sensations. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison, quand, euh, quand vous faites avec moi des, euh, une demande de lecture euh, euh, d'âme, ou que c'est le pacronette qui va... La première partie passe par une lecture d'âme, donc c'est un audio, je dis toujours, pro, ne prenez aucune note au départ, prenez le temps d'écouter ce qui arrive, parce que dans ce que vous écoutez, vous pouvez avoir des sensations, ça peut être des frissons, ça peut être une petite sensation à un moment donné. Or, si on est en train de noter, on s'est déjà coupé du corps, puisqu'on est dans une, dans une concentration pour prendre des notes. Déjà, on entend moins, on écoute moins réellement, et surtout, on n'est pas près de ces sensations-là. C'est pour ça aussi que les guidances tarot et, euh, et les lectures en visio, je les enregistre. Parce qu'il y a des choses auxquelles vous n'allez pas prêter attention à ce moment-là, et aussi quand les réécoutant, vous pouvez avoir des sensations dans le corps. Et ça, c'est des indices. Alors il y a JR qui dit j'ai bêtement stoppé la télépathie en réaction à la mocheté des pensées des gens. Aujourd'hui, je voudrais récupérer cette capacité, mais je n'y arrive pas. Ce qui peut se passer, JR c'est que vous en avez envie, mais peut-être une autre partie de vous, du fait de la mocheté des gens, pour reprendre les termes, retient. Et donc peut-être ce que vous pourriez faire, c'est poser l'intention suivante, c'est de demander à retrouver ses capacités sans récupérer les pensées moches des gens. Et j'ai pas fait une phrase négative, hein. j'ai dit sans. Parce que si on dit ne pas... La négati le, le négatif il l'entend pas donc c'est j'aimerais ai, récupérer ses capacités sans entendre les, les pensées négatives ou les pensées moches des personnes et ça ça peut peut-être peut aider euh, J.R., peut-être en le posant de cette façon là parce que du coup la partie de vous qui a peut-être peur de réentendre des messages comme cela euh, va être rassuré et du coup ça va permettre de réouvrir petit à petit et puis vous pouvez demander à récupérer petit à petit progressivement tranquillement. Alors Séverine qui parle des heures miroirs. Alors les heures miroirs ça, ça ça peut avoir un sens mais c'est pareil c'est juste la nuance que j'y mets c'est qu'après, si on commence à y prêter attention comme si on les attendait, du coup, ce n'est plus tout à fait le même sens. Mais par contre, si on voit régulièrement la même heure miroir sans faire attention qu'elle se répète plusieurs fois, c'est qu'il y a un message derrière. Euh, moi, je sais que c'était au mois de juin, euh, avant que je parte en congé. J'avais sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, 22, 222, 2222, 22 sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc du coup, je suis allée voir un petit peu ce que signifiait le 2. Ben, ça n'a pas raté. C'était annonciateur de choses que j'allais apprendre et d'un changement qui se, qui se dessinait pour moi. Voilà. Et je le demandais pas. Après, voilà, on peut avoir des heures sur lesquelles on revient sans arrêt, enfin sur lesquelles on retombe tout le temps. C'est intéressant de regarder le le message que ça peut avoir et quel sens ça fait pour vous. <laughs> Il y a Nathalie qui dit si j'avais dû noter au premier, euh, prendre des notes au premier audio, mon stylo aurait eu des ailes. Parce que Nathalie, elle a eu beaucoup de, beaucoup de répercussions après sa, sa lecture. Ça a développé plein de, plein de potentiel chez elle, plein de capacités. Ok. Ah bah Miss Marchet, voilà, elle dit depuis peu pas mal de sauterelles autour de moi. Donc euh, ça peut être, euh, ça peut être. Euh, alors si vous êtes au pays des sauterelles, c'est normal qu'on en croise. Mais après, d'en avoir une verte sur votre épaule, c'est intéressant de voir le sens parce que c'est beaucoup moins fréquent. Moi, il n'y a pas très longtemps, je suis tombée sur une mante religieuse qui était en mue. Elle venait de perdre. Euh, elle venait de perdre sa coquille, elle en avait une nouvelle et elle était toute blanche. Mais ça tombait pile à un, à un moment, une période là, cette semaine là, où il y avait une transformation importante pour moi qui se dessinait. il ouais, y a des oreilles miroirs sur lesquels on tombe tout le temps. Ok. Ça vous va. Est-ce que c'est assez clair pour vous et que je continue avec mes petites notes? <laughs> Par rapport à des sujets qui ont été euh, amenés. Euh... Ouais, Nat Lux, elle dit tout est sous nos yeux, et c'est vrai que tout est sous nos yeux. Simplement, c'est la façon dont on y prête attention. Et là, je vous invite. Tiens, je vous juste une petite parenthèse. J'ai déjà parlé de ce film-là plusieurs fois. C'est le Guerrier Pacifique. Vous le trouvez sur YouTube, sur. Euh... Euh, Dailymotion mais je crois que c'est sur YouTube. Il euh, y a des, des comment dire, des, euh, des versions qui sont plus ou moins euh, nickel sur YouTube. Il y a une scène à un moment donné où le petit jeune il dit euh, mais pourquoi tu m'amènes là, il y a rien à voir. Et à ce moment-là, Socrate il lui met les mains comme ça sur les oreilles et du coup il est tous ses sens sont décuplés et il voit tout, 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 tout. Et en fait tout est sous ses yeux, mais simplement il ne le voit pas. Voilà. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça que c'est d'être en présence, vraiment d'être en présence. OK, Alicia. Alors, euh, je remonte. Dimanche, j'étais assise sur un banc avec ma fille. Elle a vu une petite plume blanche sur ma tête. Qu'est-ce que cela signifie Alors, les plumes, c'est les guides. Des pour moi, c'est des coucous, des guides, des anges. Donc, ça peut être euh, alors, soit justement un défunt, quelqu'un, quel -qu ou simplement un guide, un ange qui vient faire, euh, faire coucou, euh, ou qui peut venir apporter une réponse à ce moment-là quand on est un petit peu inquiet de certaines choses. Euh, voilà. Alors, euh, Sylvie Edmond, elle me demande la télépathie. Je, comprends pas comment je ne comprends pas comment l'expérimenter. Qu'est-ce que vous appelez la télépathie, Sylvie Edmond OK. Alors, je continue s'il y a d'autres sujets. Je suis noyée sous les synchronicités, je n'arrive plus à faire le tri. Alors, oui, il y a des périodes comme ça, les synchronicités, on en a plein. Alors, merci, Higgins, euh, du 71, parce que du coup, je vais ouvrir euh, dessus, puis c'était un des sujets. Les synchronicités, euh, bon, c'est peut-être certains et certaines d'entre vous, vous savez déjà euh, bien ce que c'est. Les synchronicités, ça peut être de euh, justement vous penser à une personne. Et puis euh, elle va vous contacter. J'ai eu le cas il n'y a pas plus loin que ce week-end où je, je pensais depuis la veille à Cécile Cloula, avec qui j'ai fait le, le, duo sur, le live duo sur euh, les âmes sœurs et les flammes jumelles que vous avez sur, sur YouTube. Hein, vous le retrouvez sur YouTube. Et euh, je pensais à elle. Le lendemain, elle m'envoie un message. Elle me dit Ça fait euh, depuis hier, je pense à toi. Voilà. Ça, c'est typiquement des synchronicités où il y a des connexions. Les synchronicités, ça peut être aussi que euh, vous dites, ah, j'aurais besoin de trouver une information sur telle chose. Et puis, à ce moment-là, à cette période-là, vous croisez une personne qui va vous en parler. Voilà. C'est des choses de ce type-là. Euh, hier, je discutais d'un sujet avec ma mère sur des recherches que j'avais faites. <laughs> Ce matin, avant que je parte, elle me dit bon bah, je suis tombée sur, euh, j'ai reçu cette revue là. Figure-toi que ça parle de ton sujet, entre autres. Voilà, ça c'est des synchronicités. Alors, je reviens sur le, la télépathie, Sylvie Demont. Pour moi, la télépathie c'est plus d'être en, en dialogue avec une une personne, d'arriver à à deviner, à sentir ses pensées, ou même, justement, quand je canalise, euh, je ne parle pas à voix haute, en fait, je, je parle en télépathie avec les guides. C'est même du simultané. Je peux avoir une image en même temps, ils me disent quelque chose, j'en comprends, et tout ça, c'est du simultané, c'est en forme de télépathie. Je ne suis pas en train de parler à voix haute comme si je m'adressais à eux, en fait, tout se passe euh, euh, intérieurement, voire parfois, ils... ils, ils ils viennent préciser tout de suite parce qu'ils savent que je vais avoir une, une question. Ou quand je suis en lecture en visio, les personnes peuvent avoir une question parce qu'ils sont, ils sont en échange avec les maîtres et les guides. Et donc, euh, parfois, avant même qu'ils posent la question, en fait, ils sont déjà en train de m'en parler. Alors, ils étaient en train de me donner l'information. Alors, Sonia, pour moi qui n'ai pas d'animaux, je me retrouve avec chien, canard, lapin, oiseau. Bah Peut-être que vous avez une fréquence qui attire les animaux et qui est en, en bon lien avec les animaux. Puis surtout, vous, qu'est-ce que ça vous fait d'être en lien avec ces animaux-là Peut-être que ça vous apporte beaucoup actuellement dans tout ce que vous vivez, tout ce que vous êtes en train de transformer, si j'ai bien compris à travers l'un de vos messages suite à la guidance. Alors, Mandiria, faire la différence entre conversation avec les guides et le mental, c'est que justement, la conversation, elle est, elle est plus télépathique. Elle est, euh, déjà, elle est intuitive, elle est simple, les phrases sont simples, les réponses sont simples. Avec le mental, on va commencer à faire des choses comme ça. D'ailleurs, ça arrive parfois en, en, en lecture d'Analakashik en visio ou même euh, en, en guidance. Euh, et personne, ne commence à se compliquer. Et les guides le disent, simplifie-toi. Des de choses comme ça, peut-être dans le plus simple. J'ai eu il n'y a pas très longtemps en échange avec une personne qui vivait une situation, elle était à fond dans le mental alors qu'en fait, c'est pas ça qui, lui était, qui était en train de lui montrer. Donc, ça a été juste de la, de la guider pour qu'elle revienne à beaucoup plus de simplicité par rapport à ce qu'elle vivait à ce moment-là. Et donc, euh, euh, vraiment. Dès que vous êtes dans la guidance, c'est très simple, c'est très clair, c'est limpide. Le mental, c'est comme s'il venait prendre un bâton, là, puis dans la rivière, il va commencer à secouer, puis il va soulever le sable. Il fait un peu ça, le mental. Alors, euh, comment comprendre les synchronicités eh bien, Les synchronicités, c'est quand on commence à recevoir des messages. Soit parce qu'on a demandé, mais ça suppose qu'on est. Ait attentif dans le sens ouvert, pas à l'affût comme ça en mode vite il me faut un message, mais du coup poser l'intention et envoyer moi un message. Et puis euh, et parfois c'est des choses qui sont insistantes. Par exemple euh, moi si, je, si parfois j'ai des petites périodes où je peux me sentir un petit peu découragée ou des choses comme ça. Bah, je vais tomber plusieurs fois par jour sur des plumes. Ou euh, si euh, là c'était au mois de juin, je me disais j'espère que je vais arriver à telle chose, J'arrêtais pas de tomber sur des plumes les premiers jours. Et puis derrière, j'ai eu ma réponse. Voilà. Et ces plumes-là, c'était pour me dire tout va bien se passer. Parce que chez moi, c'est ça que ça veut dire. Parfois, dans d'autres cas, c'est qu'il faut que j'écrive un peu. <laughs> euh... Alors, j'ai un, 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 une personne qui voulait questionner sur l'ancrage. Euh, l'ancrage, justement, pour être à l'écoute, c'est hyper important. Parce que euh, quand nous sommes ancrés, ça veut dire qu'on n'est pas dans nos têtes, là, en train de mouliner et, euh, et être complètement euh, ailleurs. Ça veut dire qu'on est bien ici, on est ancré, on est en présence. On est la reliance, l'humain, il est en reliance entre le, 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 la terre et le ciel. Nous sommes à la jonction des deux, nous, nous sommes une reliance entre eux. Simplement, on peut être très, euh, très ancré et pas du tout là-haut, ou l'inverse, ok Et donc, l'ancrage, c'est super important. Et euh, une façon de s'ancrer, c'était la petite vidéo que j'avais faite, que vous avez sur Insta, que vous avez sur Youtube, qui s'appelle « Revenir au présent ». Euh, sur le fait de, de, de prendre le temps de respirer, de prendre le temps d'écouter, de voir etc parce que vous revenez dans vos sens et déjà quand vous revenez dans vos sens, on serait en on revient là, on est en présence. Après ce qui peut aider pour certaines personnes, ça peut être de la marche à pied, ça peut être pour d'autres de faire de la cuisine, ça peut être de bricoler qui fait que ça me ramène. Ici et maintenant, parce qu'on est concentré dans ce qu'on fait. Et en même temps, il peut se passer des choses à ce moment-là. Moi, mes premiers messages que je recevais des guides, soit je bricolais, soit je passais l'aspirateur. C'est comme ça que ça venait. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais un peu déconnectée. Et j'étais ancrée dans ici et maintenant. Donc j'étais prête à accueillir. Donc l'ancrage, c'est hyper important. Et c'est des choses qu'on peut travailler tous les jours. Ne serait-ce que euh, vous mettre debout, vous mettre pieds nus. Hyper important parce que ça nous met en contact à la terre, ça nous relie à la terre. Et là, d'être bien, euh, vous fermez les yeux, vous êtes pieds nus, que ce soit sur la moquette, si vous êtes chez vous, parce que là, on va arriver dans les temps froids, que ce soit euh, sur un parquet ou que ce soit euh, dans l'herbe, c'est d'être à l'écoute des sensations à ce moment-là et de bien sentir vos pieds au sol. Et là, vous, vous commencez à vous ancrer. Et puis après, il y a peut-être certains sports qui vous aident à vous ancrer. Donc ça, ça fait partie des choses qui sont importantes. Voilà, si lui est de moi, elle dit pour moi l'ancrage, c'est la cohérence cardiaque. Elle, c'est sa technique. Il y a des personnes à qui ça ne correspondra pas. Méditer ne, 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 ne convient pas à tout le monde. Il y a des personnes, ça va les, les, bien les ancrer. Il y en a d'autres, du coup, elles vont partir. Voilà. Marcher, c'est OK pour certaines personnes, ou courir, ou des choses comme ça. On a chacun nos trucs. J'ai beaucoup de gens, j'ai observé, c'est de cuisiner. Parce que ça les ramène ici et maintenant et ça les ancre. Oui, les activités manuelles provoquent souvent des intuitions. En fait, ce qui se passe dans une activité manuelle, c'est le phénomène, et c'est pareil justement quand je canalise, souvent j'ai une pierre dans la main. Parce qu'en fait, la pierre, elle va, elle va prendre une. une... C'est comme si à ce moment-là, il y a mon mental d'un côté et de l'autre côté, il se passe ça. Et du coup, ça décorrèle un petit peu les deux. Et à ce moment-là, je suis en capacité de recevoir des messages. Et du coup, bricoler, vous êtes dans ce que vous faites et ce qui fait que vous n'êtes pas en train de réfléchir à 3 milliards de choses. Et c'est là qu'il y a des infos qui peuvent arriver un peu comme des fulgurances. Il y a ça aussi avec l'intuition. Ça arrive comme une fulgurance. Le mental, il n'arrive pas comme une fulgurance il arrive comme un rabat-joie. <laughs> Voilà, il y a nuance de sens, elle dit, moi, c'est la peinture pour l'ancrage. Vous voyez, il y a plein de choses, plein, plein de choses. On a chacun nos trucs et cherchez, euh, cherchez ce qui vous convient. Et qu'est-ce qui fait que vous allez vous sentir ancré C'est que vous allez vous sentir ici et maintenant, en présence, euh, beaucoup plus aligné, plus tranquille, plus apaisé. Donc sans agitation. Oui, l'écriture aussi, ça permet de s'ancrer, bien sûr. OK. Est-ce que vous avez euh, des questions avant que je vienne à la... à la suivante, qui est sur le taux vibratoire Oula, oh là, là j'ai. Ah oui, d'accord, il y a plein de gens. Tac, tac, tac. Et bah ben, Higgins du 71 qui explique qu'elle est il ou elle est en burn-out. Euh, qu comp... Sauf que je ne comprends pas le message. Alors je ne comprends pas le message du burn-out ou euh, des fameuses euh, heures. Faut-il se mettre dans une bulle euh... Oui, c'est enfin, quand même euh, utile. Après, moi, ça, dé... ça dépend. Je vous parle de ma pratique. Si je sais que je vais arriver dans un endroit où, par exemple, il y a une densité forte de personnes, les grosses gares, par exemple, moi, j'ai un petit... Maintenant, j'ai du mal parce qu'il y a une densité, il y a beaucoup d'énergie. Euh... Moi, je ne capte pas ce que pensent les gens, mais je ressens les énergies. Je peux, je peux... Je peux décider de me faire une bulle. Quand je vais faire, quelle que soit la prestation, lecture, tarologie ou quoi que ce soit, je, je demande toujours une protection avant. J'ai ma protection, j'ai mon fameux euh, euh, eau de l'Aquadie Florida, et donc je demande une protection pour mettre dans une bulle. Ça, ça va dépendre, Ombélia, comment vous vous sentez à l'endroit où vous êtes. Alors, Expo Imaginaire dit, je n'ai aucun signe de terre dans mon thème astral. Je pense que ça joue dans mon manque d'ancrage. Alors oui, moi j'étais dans le même cas. Euh, J'avais euh, que de l'eau et de l'air. Donc, euh, <laughs> c'était pas mal. Euh, et, euh, et du coup, j'ai dû apprendre petit à petit à, à m'ancrer. Voilà. Ça, ça joue, oui, oui, ça joue. Moi, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, hein, mais ça joue. OK. Euh, Corinne dit la danse intuitive, tout à fait, dans la danse intuitive, vous allez euh, vous, vous laisser porter. J'ai commencé, euh, pour, comme je suis arrivée un petit peu avant sur YouTube, parce que je voulais être sûre qu'il n'y avait pas un problème technique, j'ai mis de la musique. Voilà. Euh, j'ai mis de la disco, ceux qui me connaissent un petit peu savent que j'adore la disco, et bien ça, ça entraîne, et là aussi vous pouvez vous laisser porter, vraiment. Alors, guides du 71, oui, il y a, bah, ça serait intéressant si c'est des chiffres qui, qui, euh, qui viennent régulièrement, le 333, 777, c'est de regarder, faire une recherche et le sens que ça peut avoir et voir comment ça vous parle. Ok. Euh, alors, le fonctionnement du taux vibratoire. Alors, j'en ai parlé un tout petit peu de la vibration tout à l'heure, mais je vais revenir dessus, ça faisait partie des questions. Euh, donc, je, je reviens dessus parce que c'est quand même hyper important. Donc, nous émettons tous une énergie, une fréquence. Ok euh, pour, pour bien le saisir, c'était le poste de radio dont je parlais et aussi les notes de musique. Une note de musique, elle émet une fréquence, donc une vibration. Et donc. Selon les périodes de notre vie, on a une vibration alors plus ou moins haute, c'est-à-dire que selon comment nous allons, selon comment nous sommes fatigués, selon l'environnement où nous vivons, selon notre alimentation, tout ça, ça va jouer sur le taux vibratoire. Euh, si je devais faire une comparaison, parce que là, c'est ce qu'ils sont en train de me montrer spontanément, ils viennent de me montrer, ils me disent bah « oui, c'est comme une plante. La plante, en fonction de la plante, de où tu la mets, comment tu l'arroses, comment tu t'occupes d'elle ». Eh ben, elle reçoit des énergies à ce moment-là, de tout. Et du coup, ben, elle va plus ou moins bien se développer. Ou elle va plus ou moins bien se sentir bien. C'est pareil pour nous. Donc, du coup, le fonctionnement du taux vibratoire, c'est que euh, le taux, il est, il est, il est vivant. Déjà, dans, en fonction de notre état, on peut être plus ou moins haut, ce qui fait que ça va amener des de la fatigue ou des choses comme ça. On peut avoir une... une une baisse de taux vibratoire, sentir plus fatigué, euh, plus euh, un peu euh, en dedans. Et après, toute l'alimentation qu'on va avoir, que ce soit l'alimentation à manger, notre alimentation mentale, notre alimentation de cœur, notre alimentation physique, elle va jouer sur le fonctionnement du taux vibratoire. Voilà. Mais on peut pas être tout le temps en haut. Euh, ça fluctue. Mais après. Euh, ça se travaille. Quand vous vous intéressez à ça, euh, vous le voyez, et d'ailleurs, même en médecine chinoise, par rapport à l'alimentation, vous voyez bien qu'il y a des choses qu'on n'est on pas censé manger de la viande forcément tous les jours ou de la viande rouge tous les jours. Ça, c'est un petit peu dans. C'est européen. Et euh, pourtant, on a des situations où, justement, en fonction de ce qu'on mange, ça change. Euh, je sais que euh, certaines formations que j'ai pu faire où. Euh, l'énergie elle était très haute, la vibration elle était très haute, et ben, c'est des moments où par exemple je n'ai envie que de fruits parce que ça correspond à une certaine vibration pour moi à ce moment-là. Donc c'est une histoire d'équilibre et donc le taux vibratoire, euh... c'est... Ils sont en train de me dire le taux vibratoire, c'est comme un instrument de musique. C'est incroyable. <laughs> OK. Ils sont en train de me montrer quelqu'un qui joue du violon. Non, pas du violon, c'est du violoncelle. OK. C'est du violoncelle. Quelqu'un qui joue du violoncelle. Et, et donc, ils me disent le taux vibratoire, c'est comme un instrument de musique. En fonction de la façon dont tu vas le saisir, dont tu vas jouer de l'archet, c'est tout ce qu'ils sont en train de me montrer, de, du cœur que tu y mets de L'habitude que tu as faire, on se lève pas un matin, on sait jouer de, de violoncelle, on va apprendre, etc. Et ben, ils disent le taux vibratoire, c'est la même chose en fait. Ok, ils disent c'est comme un organe à travailler. Là, je, je c'est en direct hein, ce qui est en train d'arriver là, donc c'est comme ça le taux vibratoire. Et après, on ne peut pas tout le temps être au top, mais c'est intéressant, si on est un peu bas, etc., de voir un petit peu ce qu'on a vécu ces derniers temps. C'est comme ça que quand vous allez voir des magnétiseurs, moi, ce n'est pas du tout ma partie, qui vont vous parler de fuite énergétique. Alors là, qui dit fuite énergétique, dit taux vibratoire qui va, qui va y aller. Et le taux vibratoire qui change petit à petit, c'est ça qui fait que ça va amener aussi des changements dans notre alimentation. Euh, des choses qu'on aimait, qu'on n'a plus trop envie, d'autres choses qui nous font envie. C'est ça qui va amener des changements aussi, euh, même peut-être au niveau vestimentaire, des couleurs qu'on n'a plus envie de porter. Tout ça, c'est lié à notre taux vibratoire. Ok, j'espère que c'est un peu plus euh, clarifié. Alors, Amy Pomme, peut-on savoir quelle est notre fréquence Alors, une façon de le savoir pour votre fréquence, c'est de faire euh, c'est l'échelle de Bovie avec un pendule. Donc, ça, typiquement, euh, les Mathit ils utilisent ça. Après, il y a des personnes qui sont très à l'aise avec le pendule. Moi, visiblement, pour le moment, on ne comprend pas trop, donc je laisse de côté. Euh, mais votre fréquence, c'est avec une échelle de Bovie euh, et un pendule. Voilà. Ça, vous tapez sur Internet, vous verrez, vous allez en trouver euh, beaucoup. Voilà. JR est en train de témoigner, dit, ou elle, mais je pense que c'est un homme. Quand j'ai rencontré mon guide, il m'avait conseillé d'arrêter la viande pour alléger ma vibration. Ça, on le. le c'est quand même dans, dans. Pas mal de personnes le disent. C'est que, euh, à, la, à la base, la viande, on n'est pas en, 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 obligé d'en manger euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et à certaines viandes, ça va jouer, entre autres pour, sur quoi ça va jouer. Ça va jouer aussi sur le fait, et là je ne vais pas rentrer dans des sujets qui peuvent apporter des polémiques, mais simplement euh, la façon dont l'animal a été élevé et la façon dont il a été tué. Quand l'animal, il, est, il, est, euh, il sent qu'il va aller à l'abattoir et qu'il est comme ça, il est en train de générer du stress au niveau de son sang. Donc ça, il dépose une vibration dans la viande. Et la viande, après, on la mange avec cette vibration-là. Alors si on la cuit, ça change un petit peu. Mais en attendant, il y a quelque chose qui s'est déposé, qui n'est pas top. Vous voyez ce que je veux dire C'est pour ça aussi que on recommande souvent de manger plutôt cru, plutôt ci, plutôt là, sans tomber dans le crudivore à, à foison, sans tomber dans, je mange plus du tout de viande. Mais c'est une histoire d'équilibre. Et après, c'est aussi de vous, de vous entendre petit à petit là-dessus, de vous écouter. Voilà, il y a Corinne qui dit, ah, pardon, j'y je suis une fille, pardon. Euh, mais ça, je pense que c'est à cause de Dallas. Ça m'a ça, ça influencé. C'est le mental. Co, euh, Corinne dit, il y a des aliments que je ne peux plus manger. Voilà, moi, je sais que mon alimentation a beaucoup évolué au cours des dernières années. Beaucoup. Ok. Alors, il y a une personne qui a évoqué le sujet de l'hypersensibilité. Alors ça, ça pourrait être un thème à lui tout seul et puis je ne suis pas spécialisée. Mais par contre, euh, j'ai eu, euh, tant que je faisais de la thérapie, j'ai eu régulièrement des personnes hypersensibles, voire euh, HPI. Et c'est compliqué. Le, le, les personnes hypersensibles, en fait, je les, je les décris de la façon suivante. Euh, parce que parfois, elles arrivaient au cabinet, elles me parlaient d'une certaine souffrance dans leur vie de tous les jours. Et en fait, euh, moi, je comprenais au fur et à mesure qu'elles me parlaient qu'elles étaient hypersensibles, mais elles n'avaient pas mis de mots. Et le hypersensible, je le définis de la, de la façon suivante c'est la personne, c'est comme si elle avait tous ses capteurs décuplés. Donc, dans ce qu'elle entend, dans ce qu'elle voit, dans ce qu'elle ressent, etc. Et donc du coup, bah, c'est euh, amplifié à chaque fois. Donc tout ce qu'elle vit, c'est très fort. Et c'est pour ça que une personne hypersensible, et je pense qu'il y en a quelques-uns et quelques-unes avec nous ce soir, euh, elle ne peut pas décréter du jour au lendemain qu'elle va euh, ne plus être hypersensible. Et du coup, c'est comment j'apprends petit à petit à faire avec mon hypersensibilité en me protégeant un peu. Euh, en prenant de la distance, en, en faisant, en prenant l'habitude de regarder les choses comme si j'étais sur un nuage, pour prendre un petit peu de distance, pour m'extérioriser. Et ça, petit à petit, vous pouvez apprendre comme ça à gérer votre hypersensibilité. Mais ça, c'est un sujet à lui tout seul. Moi, c'est pas ma, ma spécialité, mais sur YouTube, vous pouvez trouver beaucoup de choses dessus. Voilà, il y a Sylvie qui dit moi, je suis HPE, donc euh, hyper empathe. C'est pas un cadeau, c'est pas simple les émotions. Oui, parce que c'est très envahissant. Voilà. Mais après, c'est de bien comprendre que les émotions, en fait, elles, elles ne sont pas moi. C'est pas moi les émotions. C'est ce qui se passe pour moi. Et on ne peut que petit à petit apprendre à à gérer, apprendre à un peu de, de à prendre de la distance. Et ça, c'est pareil, c'est à travers peut-être des exercices, des choses qui vont fonctionner pour une personne, pas pour une autre. Donc moi, les personnes là ce soir qui sont hyper sensibles, ce que je vous invite à faire, c'est à, à creuser le sujet pour voir un petit peu comment vous pouvez, non pas vous l'approprier, mais vivre avec. Il euh, y a un livre, entre autres, je pense à, euh, à euh, Petit Colin. Euh, je pense trop ça, à chaque fois je l'ai fait lire à des hypersensibles et personne personnes m'a dit c'est l'histoire de ma vie, donc je vous, le, je vous le conseille alors je remonte sur une question, Johanna comment faire la différence entre son mental et des pensées venant d'ailleurs d'ailleurs, alors je, vous avez dû rejoindre en cours de route, j'en ai parlé au tout début euh, le mental il va être un petit peu comme de la discussion, quand c'est Quelque chose qui vient d'ailleurs, comme vous dites, c'est très simple, c'est simplifié. On est dans quelque chose qui est simple, qui est direct. Et moi, dans mon cas, ça vient, ça vient de ce côté-là. Alors, quand c'est mon terme mental, je vois bien, bien que c'est ici. Et puis surtout, ça tourne. Ça tourne dans un sens, dans un autre, etc. Ça devient envahissant. Alors que quand c'est quelque chose d'une guidance, il y a une notion de fulgurance. Je ne développe pas trop parce que j'en ai parlé au tout début. Alors oui, euh, Sylvie Edmond dit il y a aussi euh, Midal aussi pour les HPE. Oui, vrai, exact. Il a une chaîne en plus. Ok. Est-ce que vous avez euh, des questions, des choses que vous voulez euh, que vous voulez euh, partager? Euh... Donc, je regardais juste s'il y avait des nouvelles questions qui arrivaient. Euh... Ils sont en train de me remontrer que euh, tout ça, c'est euh, tout toutes les guidances, etc. C'est comme un muscle à travailler. Alors, euh, Christelle, comment faire pour prendre un rendez-vous avec vous pour une séance d'Anna Et oui, Merci à vous. Euh, alors, pour prendre rendez-vous, donc ça a changé là depuis, euh, depuis une, une quinzaine de jours, j'ai mis en place le calendrier. Donc, vous allez sur mon site ou sur Instagram, vous allez sur le, le lien dans ma bio et vous allez trouver, la, quand vous cliquez et sur le site aussi, chaque prestation. Et à côté de la prestation, il y a réserver Et là, vous tombez sur Calendly. Et quand vous tombez sur Calendly, vous choisissez votre jour et votre horaire, tout simplement. Voilà. Donc euh, à présent, il y a donc les annales akashiques en visio, il y a les lectures d'âme. Donc là, c'est de l'audio. Il y a lecture d'âme et les annales akashiques c'est très proche. Je travaille avec les maîtres et avec les guides. Simplement en visio, vous discutez directement avec les maîtres par mon intermédiaire. En lecture d'âme, je pose les questions pour vous et donc je vais creuser les questions pour vous. Voilà. Et puis ensuite, euh, bah pour les, les consultations tarot, bah c'est pareil, vous prenez en ligne et on fait en visio. Je privilégie la visio parce que je trouve intéressant de vous montrer les cartes, puis ça me permet de vous voir aussi. Voilà, c'est une autre façon de, de travailler. Euh, le pack lecture-guidance, c'est en visio désormais. Et puis... Euh, pas connaître aussi, donc quasiment tout est en visio à part la lecture, euh, la lecture d'âme. En fait, tout le reste est en visio, voire en présentiel si on n'est pas trop loin. J'espère que je suis relativement claire. En tout cas, voilà, vous allez sur le site et là, les, là, les, les prochains créneaux, c'est début octobre, hein. donc, euh, septembre. Tout est déjà, euh, tout est déjà complet. Ah, J'ai peut-être quelques derniers créneaux tout fin septembre. Euh, je dois avoir quelques uns sur le 21. Non, un sur le 21 et peut-être un ou deux sur le 26 et après on est sur le mois d'octobre. Alors, hop, question. Comment dépasser ses peurs, Ombélia Comment savoir où nous en sommes dans notre évolution Alors, comment dé dépasser nos peurs Ces peurs, euh... ça prend du temps, je vais être honnête, ça prend du temps. Euh, déjà parce qu'on a peur de la peur. Donc le premier truc, c'est comme on a peur de la peur. Or, la peur, il faut bien comprendre une chose. La peur, en fait, elle vient de nous livrer un message. Et la peur, et ça c'est quelque chose que, que j'avais euh, découvert et appris en hypnose et puis aussi à travers les guidances par la suite, la peur, elle a un message. La peur, elle vient vous parler d'un besoin. Donc en fait, quand il y a une peur, c'est un petit peu comme si euh, on est en train de me montrer un carnet. Okay. Un carnet à spirale. Et en fait, ils me disent, bah, c'est comme si tu tournais le carnet à spirale. Donc, il y a ta peur. Il y, y a le mot, par exemple, je ne sais rien, moi, j'ai peur des araignées. Ou j'ai peur d'échouer. Okay. Donc, derrière, derrière la peur, en fait, derrière ça, il y a quoi Et vous allez tourner les pages et petit à petit, vous allez trouver votre besoin. En fait, de quoi j'ai besoin La peur, elle vient nous parler d'un besoin. Et déjà, rien qu'en la regardant comme ça... Au lieu de la recevoir comme quelque chose qui nous fiche, parce qu'évidemment, c'est extrêmement inconfortable, on est en train de se rendre compte qu'elle a un message pour nous. Et même parfois, moi, ça m'est arrivé dans certaines situations où je me mettais en tension par rapport à des choses que je vivais et parce que c'était en train de venir toucher une blessure. Une blessure, et une blessure euh, émotionnelle, elle est liée à une peur. Je, à ce moment-là, je me posais et je me disais de quoi j'ai peur pour de vrai Derrière ça, c'est quoi et là, je commençais à voir en réalité, par rapport à la, à la situation qui me mettait en tension, ce qui était en train de se passer. Et dès que je voyais que c'était ça, déjà, je me disais :« Ok, c'est pas aussi dramatique. » Et c'est comme ça que vous pouvez apprivoiser petit à petit. Donc, la peur, c'est un petit peu comme la tristesse. C'est ce que je dis de la tristesse aussi, souvent en consultation. La peur, c'est de lui dire :« Viens t'asseoir à côté de moi et dis-moi de quoi tu veux me parler. Qu'est-ce que tu es en train de me raconter ?» Et vous verrez qu'elle va prendre moins d'importance. Enfin, pas moins d'importance, mais euh, l'amplitude et sa, sa, comment dire, euh, sa violence presque parfois, elle, elle, elle sera moindre. Et puis c'est déjà prévoisé, mais euh, euh, derrière une peur, pour Mélia, il y a une blessure. Mais je vais faire un live là-dessus. J'ai prévu de faire un live sur les blessures émotionnelles. Derrière la peur, il y a une blessure. Exemple. Je vous donne l'exemple dans mon cas, c'était ma plus grosse blessure parce que je l'ai bien bien bossée, hein. il y a eu des étages, hein. ce n'était pas en une seule étape, c'était le rejet. Et un jour, je me suis retrouvée dans une situation qui me mettait énormément en stress et je me suis posée, j'ai dit qu'est-ce qui se passe en fait Derrière ma peur, en fait, c'était ma blessure du rejet qui était en train de dire on va à nouveau être blessé, ce n'est pas possible, etc. Et c'est ça qui est en train de se raviver. Alors, et donc, du coup, déjà, j'ai dit bon, ben en fait, j'ai pas besoin d'avoir peur, c'est ma blessure. Derrière une peur, il y a une blessure, c'est-à-dire le besoin. Parce que quand j'ai une blessure, de quoi j'ai besoin Je ne sais pas si ça vous, ça, ça vous éclaire un peu, mais en Bélia, je vais faire un, un live, euh, je crois que c'est au mois de, je ne sais plus si c'est fin septembre ou fin novembre, mais je l'ai planifié sur les blessures émotionnelles. Parce que ça, c'est une clé hyper importante. Je l'ai énormément utilisée en thérapie. Alors, Amy Pomme, comment savoir où nous en sommes dans notre évolution euh, bah Déjà, c'est de regarder, c'est ce que j'avais dit il y a quelques temps, euh, j'avais eu l'occasion de dire ça parce qu'en ce moment, ça, pff, depuis quelques mois, ça remue beaucoup, hein, ça bouleverse pas mal. Euh, c'est de voir, d'observer des réactions peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus par rapport à avant. Ou que si vous étiez à 10 sur 10, peut-être maintenant, vous êtes à 8. Donc, vous êtes en train d'évoluer. Ou peut-être des situations où vous dites Mais il y a 2-3 ans là-dessus, je serais, serais sorti de mes gonds, où j'aurais eu hyper mal, j'aurais mis du temps à digérer. En fait, là, ça glisse. Et c'est une façon comme ça de voir où vous en êtes dans votre évolution aussi, parce que ça veut dire ça fait partie du chemin d'évolution. Ok, Guinness, on a rendez-vous le 15 septembre. Eh bien, parfait. Je ne veux pas en savoir plus. <laughs> Alors, est-ce qu'il y a... Euh, alors voilà, Sylvie demande d'y travailler son enfant intérieur et les croyances limitantes, tout à fait. Dans les peurs, il y a les croyances limitantes. Mais on aura l'occasion à travers un, un live. Et puis, euh, j'ai prévu de, ref... de faire une, une petite vidéo sur les croyances limitantes. Voilà, je n'ai pas encore bien réfléchi comment je vais la tourner, mais voilà. Merci, Corinne. Très bien, le sujet sur les blessures, c'est validé. Merci beaucoup. Alors, holistique thérapie, qu'en est-il du bourdonnement d'oreille Moi, c'est quand je dois écouter un message. Qu'en pensez-vous Alors, ça, holistique thérapie, ça peut être euh, qu'en fait, c'est un signal pour vous dire qu'il y a un message qui arrive. Il y a des personnes, elles vont avoir des sensations physiques. Moi, quand je vais rentrer euh, en consultation en analakashik, ou que je vais, euh, pour moi, consulter, soit, soit sur des sujets pour moi, soit sur des thématiques. Euh, au moment où je, je, me, je fais ma petite méditation et que je vais faire ma prière, ici, là, au niveau du plexus solaire, j'ai une chaleur qui, qui part. Même parfois, ça m'arrive, j'ai besoin de me déshabiller parce que j'ai un coup de chaud et ce n'est pas une bouffée de chaleur. C'est juste que... Pff, et c'est un signal pour moi. Donc, peut-être pour vous, c'est le bourdonnement d'oreille. Actuellement, ça fonctionne par ça. Brigitte lajaunie, je conseille vraiment la lecture d'âme. Merci Brigitte. Je ne me rappelle plus de ce que je vous ai raconté, mais je me souviens un petit peu de votre message. Je crois qu'on avait changé un petit peu d'ailleurs. Ah super Brigitte. Je vous remercie vraiment pour la lecture d'âme. Beaucoup d'évolution depuis. Alors, si ça vous est possible de, de dire par exemple quoi sans rentrer dans des choses trop perso, ça peut être intéressant de partager avec les autres. Les an alors, qu'est-ce que c'est les Annales Akashiques Les Annales Akashiques, alors un, il y a un article assez long, que j'ai fait sur le, mon site qui s'appelle Les Annales Akashiques. Déjà, vous allez avoir beaucoup d'éléments dessus. Les Annales Akashiques, c'est la grande bibliothèque universelle. Et vous avez tous les sujets. On, a, on y a toutes nos expériences de vie, notre parcours d'âme, euh, des informations sur des thématiques. Et donc, en fait, on va aller se connecter. À nos analakashics, où je vais aller me connecter à vos analakashics après votre autorisation, bien entendu. Et du coup, c'est ça qui va, on va récupérer des informations. Donc, c'est une guidance, oui, mais avec son présent des maîtres, des êtres aimés, des guides, et puis il y a les, bah, il y a les gardiens d'Akasha et les maîtres d'Akacha. Ok, Holistique Thérapie. Elle, elle dit qu'elle a des sensations dans les mains, par exemple. Ok, alors Noémie. Merci pour la question, parce que je voulais l'aborder et j'ai oublié. La différence entre la lecture d'âme et la lecture d'Anna Al Lakashik. Alors, en fait, la façon dont c'est arrivé petit à petit pour moi, c'est que j'ai commencé à avoir, euh, au départ, j'ai commencé à avoir des messages que je recevais et j'ai appelé ça des lectures d'âme mais j'étais déjà connectée en fait aux annalachiques mais j'en étais pas complètement sûre et donc du coup je faisais tout par audio c'est-à-dire que quand et ça existe toujours cette prestation là parce qu'il y a des personnes ça les arrange que ce soit en audio elles peuvent pas faire de la visio elles vont pas pouvoir s'isoler ou on a des horaires qui ne vont pas du tout ensemble du coup je les laissé la lecture d'âme mais que ce soit la lecture d'âme ou la lecture d'annalachiques dans les deux cas je me connecte à vos énergies et à Akasha. Simplement dans, l dans la lecture d'âme, c'est que de l'audio. Donc du coup, vous me livrez vos sujets. Je vais récupérer les messages et je vais poser vos questions et c'est moi qui vais creuser. Et dans les annales akashiques en visio, vous allez avoir vos sujets que je ne connais pas du tout. On va se connecter à vos annales akashiques et vous allez je vais toujours avoir Jusqu'ici, c'est n'est jamais arrivé dans le sens inverse. Un message au départ des guides qui ont des choses à vous dire. Enfin, les, les guides et les maîtres qui ont des choses à vous dire. Et moi, je, 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 je livre les images et les, les messages qui arrivent. En général, c'est en lien aussi avec votre sujet. Et ensuite, vous posez directement vos questions aux guides et aux maîtres par mon intermédiaire. Et ils vont vous répondre. Et ce qui fait qu'à travers la réponse, vous pouvez creuser le sujet. Et c'est vous qui allez poser la question de bah, « comment je vais prendre pour ceci ?» là j'ai pas bien compris est-ce que vous pouvez m'expliquer autrement alors que quand c'est moi qui canalise je peux demander comment faire parce que j'ai appris petit à petit l'art des questions mais peut-être vous vous auriez posé la question autrement donc dans la lecture d'analakashik noémie c'est que vous allez poser directement vos questions et vous allez être en conversation ça dure un petit peu plus longtemps et donc on est en visio ou en présentiel et dans la lecture d'âme c'est pareil, c'est toujours les analades cachiques, c'est toujours les maîtres, c'est toujours les guides. Simplement, c'est sans que vous soyez là. Et c'est un audio. Et c'est très pratique pour des personnes. Là, j'ai une dame il n'y a, a pas longtemps qui m'a dit euh, je, Ça m'arrange parce que moi, je ne, je ne peux pas. Euh, les horaires ne convenaient pas. Ou parfois, j'ai des personnes, il y a un décalage horaire qui est trop important. Est-ce que c'est plus clair, euh, Noémie Alors, Banzin-Marie Floride, je pense que j'ai répondu à la question. Elle me demande si je fais des analakashik et du transgénérationnel. Eh bien, du coup, euh, oui. <laughs> et euh, même aller sur mon site, âme.com Et euh, ben, je viens d'en parler aussi. Alors, FJMS, je ne sais pas qui c'est derrière. Ma lecture akashiques a été libératrice. Mille fois merci. Eh bien, merci pour votre témoignage. Moi, c'est toujours un bonheur hein, de. Euh, de travailler comme ça et de d'être très honoré. Les guides peuvent-ils mentir Non. Les guides ne, ne jugent pas, euh, ne mentent pas. Euh, c'est pour ça que parfois, il y a des choses qu'on qu n'est pas prêt à entendre et sur le coup, et puis en réécoutant plus tard, on entend. Euh, quand il y a des mensonges, c'est que ce n'est pas les guides. Alors Christine, euh, Titoulet, comment décrypter les messages sur le corps lors de méditation, pleurs ou hors miroir que je vois souvent euh, Je ne comprends pas complètement parce que là, j'ai la méditation, les hors miroirs et du coup, euh, je ne fais pas le lien entre les deux, mais peut-être c'est décorrélé. Ok Noémie, c'est clair. Netlux dit les guides sont parfaits. Oui, bah comme nous, en fait, on est parfaits. C'est notre mental qui va se raconter des histoires. On est parfaits. Nous sommes tous parfaits. Nous sommes tous parfaits. Alors, euh, FJMS, il y a SC0668 qui demande si vous pouvez en dire plus par rapport à la façon dont ça a été libérateur pour vous la séance de, de lecture d'Anna Lakachik. Donc là, c'est Brigitte qui livre un... Donc Brigitte, elle avait fait une, une lecture d'âme avec moi. Je, je me souviens plus parce que j'oublie tout hein, après, mais je me souviens qu'elle m'avait envoyé un très beau message en rodefort. Et donc, elle voilà, témoigne, elle dit, c'est très curieux en fait. Les messages avaient arrivé avec de plus en plus de précision. J'ai enfin compris ce qui bloquait dans ma vie et que je n'étais pas responsable. Voilà. Il, y a des, il y a beaucoup de libération qui se fait à travers les annales akashiques ou les lectures d'âme. Alors, Céline Cause, je, je viens d'expliquer la différence entre les annales akashiques et la lecture d'âme. Alors, soit vous êtes arrivé en cours, euh, les annales akashiques, c'est en visio, la lecture d'âme, c'est en audio, mais en fait, c'est la même chose <laughs> Simplement, il y a un cas où vous êtes présent, vous posez directement vos questions, et l'autre cas c'est de l'audio. Alors Brigitte, Brigitte apporte des précisions. Nous étions dans le transgénérationnel. En faisant cette lecture, je sais aussi que j'ai aidé les femmes de m'allier et les celles et celles à venir. Ok. Oui, je suis parfait, je suis ma priorité. Alors. FJMS, donc qui répond, je ne sais plus qui a posé la question. J'ai vécu des moments compliqués avec mon fils dont je ne comprenais pas le sens comme une pièce du puzzle qui me manquait et j'ai eu ma réponse et même plus. Ah, super. Alors je crois tout petit peu me, me souvenir un peu. Donc voilà, ça apporte des éclairages puisque les guides et les maîtres... Vont nous montrer des choses et vraiment tout est dit dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'humour, comme je disais. Il y a beaucoup de métaphores. Moi, je suis simplement un canal pour vous. Euh, au départ, même je, je. Parfois, je commence des lectures. L'autre fois, j'ai commencé une lecture d'Anna Lakashik en visio. J'avais. Euh, euh, ça commence et ça fait ⁇ j'entends cette musique-là et je, et je sens les énergies qui dansent. Donc je dis à la personne, voilà ce que je vois. Et elle me dit, mais tous les matins, je danse avec eux. Je ne peux pas le savoir. Voilà. Donc c'est une façon de dire, c'est bien nous, c'est bien toi, on se reconnaît et d'être dans l'humour. Alors le sujet du live c'est un sujet sur la spiritualité où je réponds à différentes questions euh, Mylène. Alors netlux elle dit pour moi les lectures d'âme ont complété ce qui me manquait pour être je suis. Bon puis ça a bien ouvert le, le canal qui était déjà là aussi euh, Nathalie. Alors Marie Laure c'est normal d'être épuisé se sentir vidé après la compréhension d'un blocage. Tout à fait. Et merci pour votre question. Elle est hyper intéressante. Euh, c'est pareil quand on fait euh, bah justement des, des, des lectures d'Anna cachée en visio. Souvent, je dis aux personnes prenez, ayez un verre d'eau, etc. Euh, comme j'ai pu faire parce que je pratique le MDR aussi, ou en T-Tailing. Parce qu'en fait, dans ces déblocages, le blocage, c'est quoi C'est que c'est quelque chose qui s'est figé en vous comme un programme. Au niveau, euh, au niveau ADN, au niveau de nos cellules. Et vous amenez une libération. Donc, du coup, c'est comme si ça relançait quelque chose au niveau de l'organisme. Et parfois, euh, moi vraiment, je dis aux personnes, ne prenez pas de rendez-vous après, soyez tranquilles, mettez-vous tranquille Et il est hyper important de boire, beaucoup boire d'eau. On est 80% d'eau, n'oubliez hein. pas. Hein. Merci, Nathalie. <laughs> c'est parce que tu as une demande aussi. Alors Brigitte, elle, elle précise que ce n'est pas simple, ça bouscule, mais cela apporte un apaisement certain. Je continuerai avec le soin Renaître. Merci Brigitte, merci pour votre confiance. Higgins, je viens d'entendre ce que j'avais besoin. Eh ben super, merci beaucoup. <laughs> Alors voilà, Brigitte, elle confirme à Marie-Laure que quelques jours après sa lecture, elle avait été épuisée. Et ça, c'est normal parce que euh, c'est des choses qui se relâchent et c'est comme si, euh, euh, eh ils ben, sont en train de me dire exactement comme quand on va chez l'ostéo qui nous manipule, etc. On est souvent fatigué après. Là, c'est la même chose qui se passe, mais sur au niveau des énergies et au niveau de nos, au niveau cellulaire. Donc, on peut se sentir fatigué. Donc, c'est important de prendre soin de nous à ce moment-là. Ok, Je vais prendre une dernière question parce que ça fait déjà une bonne heure qu'on est là. Euh, alors, rêver très souvent de ces défunts. Est-ce que c'est un message qu'ils veulent nous transmettre? Ça peut, être, euh, ça peut être, Séverine, est-ce que vous pouvez faire un soir avant de dormir, c'est de leur demander euh, pourquoi ils sont là ou qu'ils vous livrent clairement un message, soit dans la nuit, que vous l'ayez ou, ou que vous l'ayez pour le petit matin, c'est-à-dire quand je me réveille, je sais pourquoi vous êtes venu. Ou qu'il vous montre quelque chose dans la journée. Vous pouvez demander. Hein. On peut tout demander. OK. Et Corinne, depuis la lecture d'âme avec toi, Marie, mes jambes ont très nettement désenflé. C'est assez spectaculaire puisque c'était mon gros souci. Oh, ah bon? C'est incroyable, c'est magnifique. C'est super. Merci. Mais je crois qu'il y a d'autres soins qui sont en cours aussi avec en plus. Ça peut arriver, Mylène, qu'on ne se souvienne pas de nos rêves. Ok. Alors, il est 22h20. Donc, je vous remercie à nouveau d'être là. Et, ah, pardon, j'ai oublié. Euh, on va faire plaisir à Instagram et à YouTube si vous pouvez mettre des pouces. Je sais que je vous le demande à chaque fois, mais apparemment, ça joue pour, euh, pour leur... Ce euh, n'est euh, pas les statistiques, mais les algorithmes. Donc, euh, bah, si vous pouvez mettre des pouces là maintenant, et après, euh, une fois qu'il y aura la rediffusion, je veux bien, je vous remercie par avance. Les petits cœurs, des pouces, tout ça, euh, c'est visiblement important de le faire. Ok, Corinne, elle dit, depuis la lecture d'âme, une douleur est partie, j'ai modifié mon alimentation et je m'aime davantage. Ah, oh, c'est beau, c'est beau. Ok. Merci, Cathy. Ok. Alors, ce que je vous propose, je vous avais dit en début pour les personnes qui sont arrivées en cours de route, j'espère que ça vous a clarifié sur certaines choses. C'est jamais évident le live parce qu'en plus, je rebondis, mais en même temps, parfois, ça part sur différentes choses. Je parle un peu toute seule quand même. En tout cas, il n'y a que ma voix à ce moment-là. Ce que je vous avais proposé en début de live, je vous avais proposé de faire, alors, ce n'est pas une guidance, mais. Je vous invite maintenant à, euh, merci Mandiria. je vous invite maintenant à, euh, si vous le souhaitez, penser à un sujet, une question où vous auriez besoin d'un conseil, d'un message. En fait, c'est d'un message hein, avec l'oracle le, avec le, euh, haute vibration de Jenna. C'est celui que j'utilise euh, pour conclure les guidances mensuelles. Je rappelle, elles sont en ligne sur YouTube en fonction de l'année personnelle. Et ce que je vous propose, c'est de prendre un tout petit temps là de, par rapport à un sujet, un, un, un thème, et de vous juste de vous demander après, je choisis la carte numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. Voilà, je l'ai juste 22h22, <laughs> nickel, quelques secondes. Prenez le temps. Et euh, puis moi je vais commencer à battre les cartes Et comme ça on va conclure avec ça euh, ce, ce live. donc je vous rappelle, les prises de rendez-vous, c'est sur le site via Calendly maintenant, donc vous avez tout le planning. Ça vous permet vraiment de voir les disponibilités aussi. C'est simplifié, ça évite, ça évite d'avoir beaucoup d'échanges de mails et ça n'empêche pas de me contacter s'il y a besoin. Ok. Euh, ensuite, euh, les prochains lives à venir, il y en aura un sur les blessures émotionnelles. Ok. Donc ça va parler des peurs. Et il y en aura un sur la numérologie chemin de vie que j'avais déjà fait l'an dernier, mais je vais le refaire parce que là, on va arriver sur la fin de l'année assez rapidement. Et un sur les années personnelles. Ça, c'est juste pour vous donner de l'info. Je réfléchis à faire un autre live en duo. Il faut que je trouve un thème avec quelqu'un. Je crois que j'ai une idée. Il faut juste que je lui en parle, donc je ne vais pas m'avancer. OK alors, est-ce que c'est OK pour vous Vous avez euh, votre sujet, votre thème pour recevoir votre petit message conseil. Est-ce que c'est ready Yes. Alors, Mylène, je commu... les lives, c'est toujours, sauf rare exception, le dernier mardi du mois. Mais de toute façon, je communique avant. Alors, Derylliam, je ne sais pas qui c'est. OK, on est bon Allez, donc concentrez-vous et ceux de la première carte, je vais, je vais tirer les trois cartes l'une derrière vous, l'une voilà, derrière l'autre. Conseil numéro 1. Je souris parce que j'entends on est très sage hein, parce qu'il n'y a pas de cartes qu'à sauter. Ils attendent qu'on vienne les chercher mais comme j'ai dit qu'on allait prendre le temps. Ouais, ils sont choux. OK. Conseil numéro 3. Alors, et vous pouvez euh, décider de prendre les trois cartes hein, si vous voulez. Hein. C'est comme vous voulez. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, le conseil par rapport au questionnement, sujet, besoin de conseil, c'est Écoute ton intuition. Alors pour toutes celles et ceux qui avaient des questions sur le mental, etc., là, clairement, on est en train de vous dire, met le mental de côté, écoute ton intuition. Donc, comment faire bah, C'est de vous recentrer, c'est de cesser l'agitation et c'est de... S'il y a des peurs derrière, c'est OK, si je n'avais pas peur. Et là, vous allez être beaucoup plus en lien avec votre intuition. Si vous êtes dans des choix actuellement, des décisions à prendre, des orientations on est en train de vous dire, écoute ton intuition. OK Pour ceux qui ont choisi la numéro 1 Corinne, je répondrai après, j'ai vu la question. Pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2, soit au service, donc il y a une notion d'ouverture vers les autres. D'ouverture à plus grand aussi. Euh, moi, je suis au service de, de là-haut. Je suis au service de la source aujourd'hui. Enfin, depuis longtemps. Mais aujourd'hui, je considère que je suis euh, un serviteur pour entre, entre vous et eux. Alors, dans, dans toute humilité, hein, très humblement. Hein. Donc, soit au service. Donc, pour les personnes qui pourrait se poser des questions sur des réorientations ou des choses avec d'autres personnes. Voilà, il y a cette idée d'ouvrir. OK? Oui, ils ont de l'humour, JR. Et troisième carte. Passe à l'action. Je ne sais pas pourquoi celle-là, je pense qu'elle va faire rigoler quelques-uns là. Donc passe à l'action, ça veut dire maintenant, arrête de réfléchir, mets-toi en mouvement. Je vais juste préciser une chose que j'ai observée. C'est que quand vous n'arrivez pas à passer à l'action, ça veut dire que vous n'avez pas clarifié votre choix. Vous n'avez pas pris de décision. Ah ben voilà, je savais que ça allait en faire rire quelques-uns. Je suis en train de voir derrière qui passent. Voilà, passe à l'action. Quand, euh, quand vous n'arrivez pas à passer à l'action, c'est que vous n'avez pas encore pris votre décision. Et à chaque fois, je donne l'exemple tout bête euh, du, du serveur au restaurant. Tant que vous n'avez pas choisi votre plat, il n'envoie pas hein, la commande. C'est la même chose pour vous. Donc, soit vous êtes en train de dire Bon, bah, je mets plus tard et donc demandez-vous pourquoi Soit il y a peut-être peut y avoir une difficulté parce que votre choix n'est pas encore clair pour vous. Parce que quand c'est hyper clair pour nous, c'est simple de passer à l'action quand on a pris notre décision. J'en reviens avec mon plat, hein. j'hésite entre le poisson et la viande. Bah, tant que ce n'est pas clair, vous êtes en train de tergiverser, vous ne choisissez pas et donc l'action ne se lance pas. Ok Est-ce que c'est éclairant pour vous, là, ceux et celles qui avait fait des choix de cartes, d'une ou deux cartes Oui, j'ai ils sont top. Moi, je les adore et cet oracle, il est incroyable, incroyable. Quand je fais des guidances et que je termine avec, à chaque fois c'est énorme, j'en rigole même souvent. Super, super si c'est éclairant. Alors, s'il vous plaît, gardez ce message. Vous voyez, parce que là, euh, le temps qu'on a passé ensemble, ça permet que vous, en, on est dans des meilleures captations pour accueillir les choses. Donc, garde, gardez ces messages-là, gardez-le, et tel que vous l'avez reçu à, à cet instant, comme il vous est arrivé, et la façon dont il a sonné dans sa justesse. Ok. Et Corinne, alors ton Corinne, j'avais ah mince Corinne, j'avais j'ai pris rendez-vous pour une deuxième lecture d'âme et j'ai beaucoup de questions. Peut-être faudra-t-il deux rendez-vous s'il y a trop de questions. Corinne, on verra de toute façon s'il y, y a trop de questions, je le, je le verrai et au pire j'enverrai un message en disant ça fait beaucoup, quitte à réorganiser dans l'ordre de priorité. Ok Bon. J'étais ravie, comme à chaque fois, de vous retrouver ce soir, euh, de partager ce moment avec vous, de recevoir votre bonne humeur, votre ouverture. Euh, au moment où ça démarrait, au moment où j'ai lancé, j'avais les larmes aux yeux, en fait, de, de vous retrouver, de ce moment-là. Hop, bon, bref, un petit peu. Parce que ça me fait toujours de l'émotion, mais c'est de l'émotion de joie. Euh... Et euh, donc, merci d'être là. Euh, merci de votre présence. Merci de vos messages que je reçois, euh, euh, que ce soit sur Insta, sur YouTube ou par mail, les partages, euh, la confiance pour les personnes qui m'ont consulté, les témoignages que vous avez apportés ce soir pour vous. Et pour les autres, pour des personnes qui peut-être se posent des questions. Et, euh, et donc, bah, évidemment, voilà, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez toutes les coordonnées. Et euh, les guidances du mois de septembre sont en ligne en fonction de l'année personnelle. Voilà. Et je vais faire, euh, pour terminer, je vais remettre un petit peu de musique comme j'ai fait euh, pour l'entrée. Et, euh, et je vous souhaite une merveilleuse soirée. À toutes et à tous, et euh, je vous dis à très, très vite. Merci pour tout.